quand je me suis rendu compte que l'invisible était perceptible et que, notamment au moyen de ma voix, je le rendais audible, et ça révélait quelque chose des monuments qu'on ne pouvait pas voir, tout cet espace, tout ce volume en fait qui était vide, en réalité il n'est pas vide. Et c'est, en tout cas c'est ce que moi je soutiens, et j'ai rencontré des gens qui soutiennent la même chose, mais sauf que eux ce sont des scientifiques. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés, eh bien, ça a fait comme un coup de foudre. Parce... Alors là, on a fait une prise de son. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à chanter. Et je vais essayer d'envoyer ma voix vers des troncs. Mais normalement la forêt, puisque là c'est un peu comme une forêt en fait, non, ça vibre. Les impressions. Mes impressions, je dirais, c'est qu'il y a vraiment des choses possibles à faire sur les deux thèmes. Ouais. Après, dans un cas, c'est l'interaction avec un monument, donc plutôt l'acoustique des monuments. Et ta perception, ce qui est intéressant justement, c'est de croiser les deux. Ouais. Et puis dans votre cas, c'est plus ton intuition de communication interespèce. Et on a vu au jardin sauvage qu'il y avait quand même des moments plus on et plus off, enfin plus actifs, oui, et plus passifs. C'est à analyser, mais c'est vraiment deux problématiques distinctes.